Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Moi, c'est Nathalie, je suis révélatrice de potentiel. J'ai créé en 2005 un concept alliant la beauté extérieure à la beauté intérieure. J'ai le bonheur d'accompagner les particuliers et les équipes d'entreprise à révéler leur potentiel grâce à l'association de différentes techniques en coaching et en relooking. Alors, si vous désirez apprendre à valoriser votre image tout en respectant votre personnalité, associer l'être et le paraître, devenir la meilleure version de vous-même, Evolution Partner est là pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hyper d'actualité qui vous fait vous poser beaucoup de questions et qui fait suite à ma vidéo « Comment se préparer à réussir son entretien professionnel ?» Les règles incontournables à suivre que je vous mets juste ici. Dans cette vidéo, je vous dis absolument tout en quelques minutes, ce qu'il faut savoir pour se préparer et réussir son entretien professionnel. Cette vidéo est tout simplement excellente et c'est la première d'une série de minimum 3 vidéos à ce sujet qui découle directement de mes 16 années d'expérience dans le domaine. Effectivement, j'ai la chance de rencontrer dans mon métier un grand nombre de personnes qui s'offrent mes services en période de changement de vie et d'orientation de carrière. Et une des questions récurrentes est comment s'habiller et quelles sont les couleurs à porter lors d'un entretien d'embauche. Je travaille également dans des mesures étatiques depuis 2005 avec des jeunes et des chômeurs de tous âges en réinsertion professionnelle ou même dans des mesures sociales dans lesquelles ils sont parfois depuis de longues années. Je travaille aussi avec des entreprises de tous horizons et je coach beaucoup de personnes de tout milieu social dans la préparation d'entretiens professionnels. Je crois donc pouvoir dire que j'ai aujourd'hui une grande expérience dans les entretiens d'embauche. C'est un domaine dans lequel je suis arrivée complètement par hasard au fil de mes collaborations et de mes expériences professionnelles et c'est définitivement un domaine qui me passionne et dans lequel je continue à me former en permanence. De plus, dans mon travail, je passe moi-même des entretiens d'une certaine manière à la signature de chaque contrat, principalement en entreprise où je dois bien évidemment me vendre et aussi préparer et proposer des projets personnalisés qui m'ont demandé beaucoup d'investissement et donc forcément que j'ai le désir à chaque fois de décrocher ce contrat en me montrant sous mon meilleur jour possible en parvenant à proposer et présenter mon projet au mieux. Bref, j'ai le plaisir avec cette vidéo de partager avec vous quelques règles de base sur les bonnes couleurs à porter selon votre secteur d'activité. Avant tout, rappelez-vous que chaque métier mérite une attention particulière et certains codes sont définitivement à connaître. C'est comme dans la vie, normalement vous n'allez pas vous exprimer ni vous vêtir de la même manière lors d'un mariage, au boulot ou lors d'une sortie à la plage. Je vous conseille donc déjà de toujours vous renseigner sur la personne qui va vous recevoir ainsi que sur l'entreprise pour laquelle vous postulez avant de vous présenter en entretien. Ça peut peut-être paraître évident pour vous, mais sachez que l'immense majorité des gens se présentent à des entretiens sans avoir l'envie de rejoindre spécifiquement cette entreprise. La plupart se présentent donc sans même être allés au préalable sur le site internet de l'entreprise pour se renseigner sur qui elle est, se renseigner sur sa philosophie, sur ce qu'elle fait, pour qui, etc. C'est pourquoi plus vous serez bien préparé pour passer votre entretien, plus vous aurez une chance de ne pas passer inaperçu et même de retenir positivement l'attention de votre interlocuteur. Car vous rêvez peut-être de travailler dans un secteur d'activité et une entreprise en particulier. Alors, si c'est le cas, dites-vous qu'en face de vous, vous allez rencontrer le recruteur qui lui aussi désire ardemment rencontrer la bonne personne pour son entreprise, faire le bon choix. On pense souvent à la recherche d'emploi du côté du demandeur d'emploi. Mais le recruteur qui vous reçoit demande lui aussi à trouver la bonne personne, la personne idéale. Gardez en mémoire que le recruteur que vous rencontrez a un réel besoin, parfois une problématique à résoudre absolument, un poste à pourvoir, un manque dans son équipe et vous êtes là pour résoudre son problème. Mais elle a le souhait de faire le meilleur choix. Alors, soyez-en conscient et donnez votre maximum pour atteindre ce que vous désirez et ainsi montrer à votre interlocuteur que vous êtes la bonne personne, prête à tout déchirer et que vous ne les décevrez pas une fois engagé. Une bonne préparation de l'entretien est donc primordiale.
mordiales et elle peut véritablement faire une différence gigantesque. Faire la différence. Alors, commençons par voir ensemble quelles sont les couleurs apportées pour un entretien d'embauche. Alors, comment s'habiller pour un entretien d'embauche? Quelles sont les bonnes couleurs à porter? Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je vous conseille de porter deux couleurs lors d'un entretien d'embauche. Une couleur de base au ton neutre pour le sérieux et une couleur pour apporter du dynamisme à votre tenue et à votre discours. Pour la couleur de base, je vous encourage idéalement le gris pour les métiers intellectuels, le marron chocolat foncé pour les métiers dans le social, les métiers qui touchent à l'affectif, le noir pour les métiers de service et les domaines dans la mode. Quant à la couleur, je vous conseille les bleus pour les métiers intellectuels, les roses, verts et jaunes pour les métiers dans le social ou alors qui touchent à l'affectif, le rouge et le violet pour les domaines dans la mode et le blanc, bien que le blanc ne soit pas considéré réellement comme une couleur, pour les métiers dans l'univers du service à l'autre. Conseiller de vente, concierge, ainsi que les métiers dans la restauration. Vous avez à présent une idée globale de ce qu'il faut faire, préparer et porter pour briller lors d'un entretien d'embauche. Voyons maintenant plus en détail l'impact de chaque couleur sur vous-même, mais aussi sur les autres personnes. Porter du noir lors d'un entretien exprime de la puissance, de la confiance et de la force. Le noir est une couleur froide, mais portée correctement, elle peut aussi renvoyer une silhouette sophistiquée, du glamour et du leadership. Le noir est une couleur qui est prise au sérieux, elle est formelle et sophistiquée. Elle reste le ton de prédilection dans le monde de la mode, comme dans les métiers du service. Mais attention, le noir est aussi une couleur agressive, elle est lourde, oppressante, elle absorbe toute la lumière, ce qui ne vous offrira pas une image ouverte, mais plutôt mystérieuse, autoritaire. Porter du bleu lors d'un entretien professionnel inspire le calme, la confiance et le sérieux. Le bleu est l'une des meilleures couleurs à porter lors d'un entretien d'embauche, car il dégage confiance, de l'assurance, aide à rester calme. Le bleu est également associé à la gorge et à la communication. Le bleu évite les trous noirs et aide à communiquer avec aisance. Le bleu marine, quant à lui, est une des meilleures couleurs de base pour une tenue d'entretien d'embauche parce qu'elle inspire l'assurance et elle est une alternative parfaite et plus raffinée que le noir. Porter du gris communique de la logique, un sens analytique et instaure une certaine distance. Le gris reflète l'indépendance et le sérieux. La neutralité. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour vous que vous montriez que vous avez confiance en vous et selon le domaine que vous portiez aussi un second ton plus chaleureux. Le gris étant associé à la solitude, il renvoie un message selon lequel vous êtes autonome, indépendant et capable de penser par vous-même. Le gris rend sûr de soi, sage, paisible et juste. Comme je vous le disais précédemment, le gris est toutefois privilégié pour les métiers plus sérieux et à éviter pour les domaines plus créatifs et aussi dans l'affectif, dans le social. Le blanc reflète la lumière, l'organisation et la franchise. Vous ne prenez pas de risque en portant du blanc ou du beige. Mais attention, c'est un ton qui ne dégage pas vraiment de dynamisme. On pourrait éventuellement penser que vous êtes fade ou que vous manquez d'audace. N'hésitez pas à porter du blanc ou du beige en entretien d'embauche si vous postulez dans une entreprise où les gens portent généralement des couleurs sombres. Ainsi, vous serez mise en avant et vous passerez pour une personne confiante et dynamique. Comme je vous le disais avant, le blanc associé au noir est la combinaison parfaite des métiers du service et du devoir. Le blanc est aussi associé à l'absolu et à la pureté. C'est une couleur hygiénique et soignée, parfaite dans le médical. Contrairement au noir, le blanc renvoie toute la lumière. Elle attire ainsi les regards et aide à nous rendre purs, innocents, ordonnés. Porter du brun lors d'un entretien d'embauche inspire la fiabilité, la confiance et un côté maternel qui peut amener à des confessions. Cette couleur terrestre inspire la chaleur, la sécurité, la fiabilité et la crédibilité, tout en incitant à la communication sincère. Le brun manque cependant de dynamisme car c'est un ton très neutre. Préférez donc toujours de porter des bruns associés à d'autres couleurs plus intenses et idéalement dans votre palette de couleurs.
Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo à ce sujet si vous ne l'avez pas encore vue, c'est juste par ici. C'est une véritable mine d'or et elle vous aidera à définir vos couleurs personnelles. Le rouge transmet de la puissance, de la confiance en soi et c'est la couleur par excellence de la vente. Le rouge évoque la passion et la puissance. C'est la meilleure couleur à porter pour persuader, vendre, impressionner. Elle est aussi associée au courage, à l'excitation et à l'énergie. Cette couleur augmente cependant la pression sanguine et le rythme cardiaque. Il faut donc être attentif en la portant. Surtout lors d'entretiens d'embauche, ça semble évident. Finissons avec les verts, les jaunes, les oranges, le rose et les violets, qui inspirent toute la joie, la créativité et une certaine forme d'insouciance. Ces couleurs puis vives renvoient une image joyeuse et attirent l'attention sur vous, mais elles ne sont pas forcément associées à la confiance ou alors à l'engagement, qui sont des valeurs fondamentales à transmettre lors de vos entretiens d'embauche, surtout dans des métiers plus intellectuels par exemple que créatifs. Il vaut mieux porter ces couleurs avec parcimonie ou pour des secteurs d'activité très spécifiques, en préférant toujours les associer à des tons de base plus sérieux, voire des tons neutres. Voyons ces couleurs en détail. Le rose est parfait pour les métiers avec les enfants, dans la douceur, l'affectif. Le jaune et le orange sont indéniablement des tons pour les métiers dans la créativité, les métiers de l'art. Le violet, lui, est parfait pour les métiers dans la mode. Le vert pour les métiers avec la nature, les animaux, voire aussi les enfants et les personnes âgées. Je vous rappelle encore une fois que l'association du blanc et du noir est parfaite pour les métiers du service, les métiers dans le devoir. Et retenez aussi que pour un entretien d'embauche, on évitera également de porter tout ce qui évoque le monde de l'enfance, avec des t-shirts par exemple à motif, des imprimés militaires ou encore tout ce qui évoque la sexualité. Voilà, à présent vous savez tout, vous avez tout en votre possession pour bien faire. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui en entretien d'embauche prochainement et j'espère que je vous aurai apporté de l'aide et également clarifié toutes les questions peut-être que vous vous posiez. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire, je vous invite à choisir notre service spécial en réinsertion professionnelle que je vous mets juste là. Et ensemble, nous ferons en sorte que vous décrochiez le job de vos rêves. Ce service est accessible à tous et à toutes, en privé ou en groupe. N'hésitez vraiment pas à nous contacter pour créer avec vous et pour vous le service sur mesure qui vous ouvrira, je l'espère, les portes de votre métier de rêve grâce à un entretien d'embauche réussi. Tous les liens seront en plus en description, comme à chaque fois. Et surtout, rappelez-vous que pour être le plus naturel possible lors de vos entretiens d'embauche, vous devez impérativement vous préparer. Voilà, à présent, vous connaissez les couleurs apportées pour un entretien d'embauche. Et pour tous ceux qui désiraient aller plus loin, connaître le détail de chacun des différents points quant à la préparation d'un entretien réussi, ainsi que les meilleures réponses à donner à votre ou à vos interlocuteurs, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo complète qui développera de façon hyper professionnelle tous ces points. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci de mettre un pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche pour être informé à la sortie de chacune de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous. Je suis persuadée qu'elle pourra intéresser beaucoup de personnes et surtout qu'elle sera super utile, surtout en ce moment. Pour tous ceux qui auraient des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre et qui sait, peut-être que votre commentaire pourra en aider certains. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et merveilleux, soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye !